Hello, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai reçu le happy mail de la fée bricoleuse parce que j'ai fait un échange avec elle. Du coup, elle a déjà reçu le mien et donc je vais ouvrir avec vous le sien. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà ouvert avec le cutter mais j'ai pas regardé à l'intérieur. Déjà, rien que la couleur, je pense que je vais aimer. Partie, elle a mis du papier, je sais pas comment ça s'appelle. Il a des petites paillettes argentées. Il est vraiment joli. Waouh! Donc voilà, un petit traveler, tout rose et c'est mes couleurs. Donc elle a mis une petite fleur en tissu. Tout y tombe. Donc ah en fait c'est bien, elle a mis plein de petits paquets. Moi je l'ai pas fait comme ça le Happy Mail, mais c'est une idée. Franchement c'est une bonne idée. Donc là on a la petite pochette ici avec un petit papier donut. Joli, j'aime bien. Et derrière voilà. Là, il y a des petits trombones, cœur, ananas, et il y avait celui-ci en fleurs. Là, il y a plein de trombones qui est tombé, mais c'est pas grave. Donc là, on a ça, une planche de stickers. Derrière, pareil. Dans le thème un peu été, hein. On a... Ah, c'est une petite pochette. Super. Et à l'intérieur... Donc je vais l'ouvrir. Une petite enveloppe. Oh mince. J'ai pas envie d'arracher. Ben, c'est fait, hein, mais bon. Alors... Waouh, déjà j'aime bien là. On a ça. 4 Polaroids. Donc un gold. Un avec des petits cœurs. Un comme ça. Et un tout blanc. Ensuite, un tag. Celui-là vient de chez Action parce que je l'ai. Lui, il y a du foil. J'aime bien la couleur. Avec des petites paillettes. Lui, c'est avec des petites fleurs. J'aime beaucoup. Et après, des tags en couleur. Ensuite, là. Il est joli ce stickers. C'est bien emballé, hein, j'aime bien. Là, c'est une enveloppe avec des plumes. J'ai pas envie de l'arracher. Faites que ça s'arrache pas. Ouf. Alors, là c'est un bloc. Ouais. Ok, alors là c'est du papier. Du papier à motif, je crois. Ah, voilà. Et c'est vintage. Donc c'est tout des roses. Ben, je ne sais pas si elle est au courant, mais j'aime les fleurs. J'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, elle a bien choisi. Waouh! J'aime beaucoup. Ah, celui-là aussi. Donc, à l'intérieur, c'est des feuilles de 10 cm x 10. Voilà. Donc j'avais pas ce genre, donc c'est bien. Merci beaucoup. Ensuite ici, c'est un joli papier, je trouve. Donc c'est une enveloppe. Je vais la retirer
Mais c'est super sympa, hein, ce genre d'idée. Enfin, moi, j'avais pas pensé d'envoyer un traveler avec des petites surprises à l'intérieur. Donc, c'était une bonne idée. Donc, première pochette. Alors là, on a des cartes PL. Super jolies. Franchement, je les aime toutes les cartes et je les ai pas du tout. Donc je suis contente, merci. Et c'est tout à fait ce que j'aime, hein. Les couleurs, tout ça. Donc ensuite, là, on a du ruban de dentelle. Et voilà, donc je vous montre la pochette. Aïe aïe aïe. Alors là, elle m'a mis des tampons. Ils sont super jolis. Avec la trappe rêve et tout. Merci beaucoup. J'aime bien, j'en avais pas en plus. Et là, c'est une carte avec plein de washi tape. On a une planche de stickers. Après, là, on a une pochette transparente. Elle l'a fait avec la plastifieuse, je crois, parce que moi, je fais les mêmes. Et à l'intérieur, il y a ça. Alors, c'est quoi? Ah, c'est une ATC, ça. Un joli paquet avec des motifs roses. On a des petites ATC. C'est super mignon. Alors celle-là, c'est la 3 sur 5 et c'est puzzle chic. Elle est très jolie. Et celle-ci, c'est la 4 sur 5 et c'est toujours puzzle chic. Moi aussi, je lui ai mis deux ATC, pareil, de la même série. Donc ça sera mes deux premières ATC que j'ai reçues. Donc dernière pochette. Donc c'est des trucs magnétiques. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit se mettre sur le frigo. Et les autres paperclips, il y avait donc celui-ci. Une petite enveloppe. J'en avais pas, donc c'est super. Un diamant en rose gold. Et un petit nœud en rose gold. Des nœuds, j'en ai plein, mais pas en rose gold. Je continue dans la boîte. Ça doit être la carte. Je vais l'ouvrir maintenant. Ah, la petite Gorgeous. Donc voici la carte. C'est joli, hein? Alors, hello Alia, désolée pour le retard, j'espère que ma version de ce Happy Mail te plaira. Merci pour cet échange, gros bisous. Ben oui, cette idée me plaît beaucoup. Ça change des autres Happy Mail qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, c'est épais, donc on va voir. On a un petit carnet, cahier gourmand. Un joli carnet. Donc des fleurs qu'elle a fait elle-même. Des embellissements. Ensuite, on a des feuilles à motifs. Alors, on a cette feuille-là avec des papillons, des cadres. Franchement, j'aime beaucoup cette feuille. Je vais l'utiliser pour mon planer, je crois. Après, des petites taches de peinture. On va aller un peu vite.
À part cela, bah, tous les autres, je les ai pas. Donc, merci. Ensuite, là, on a des die cuts. Et voilà.